Bonjour et bienvenue dans cette 11e vidéo sur la formation à l'astrologie psychologique et karmique. Nous allons voir cette fois-ci Neptune en signe et en maison. Comme d'habitude, nous étudierons tout d'abord le symbolisme de Neptune, le glyphe, qui est très particulier, ensuite Neptune dans les différents signes et Neptune dans les 12 maisons. Et nous terminerons, comme d'habitude, par la synthèse signe et maison. Alors, voyez maintenant le symbolisme de Neptune. Il est très particulier, en effet. C'est le trident de Poséidon, le trident de Neptune, le trident aussi que l'on retrouve chez le symbole des psys. Donc, c'est vraiment très imagé, et on va voir pourquoi. Pourquoi un trident? Eh bien, oui, bien sûr, c'est Poséidon, mais tout de même, ça a un sens. Lorsque je suis allé dans l'île de la Réunion, il y a une trentaine d'années, j'ai eu la chance de rencontrer, au détour d'un chemin, comme ça, un temple bouddhiste qui avait l'air hindou, plus exactement, un temple hindou. J'ai frappé à la porte et puis donc quelqu'un est venu m'ouvrir et j'ai demandé à visiter le temple. On m'a dit bien sûr, entrez, je vais vous appeler le Swami. Et le Swami, eh bien, c'était quelqu'un de vraiment super, très intéressant, très ouvert, qui s'intéressait à tout et notamment à l'astrologie et à l'astrologie karmique. Donc j'étais vraiment ravi de le rencontrer. Nous avons discuté autour d'un thé pendant 2 heures et là, je lui ai posé la question plutôt, puisqu'il y avait une affiche de Shiva, une peinture de Shiva plus exactement, dans son ashram. Et je lui ai dit, mais à quoi correspond le trident de Shiva pour vous? Alors il m'a expliqué que c'était les trois types de conscience. Ouais. Il y avait donc le conscient, l'inconscient de chaque côté et au milieu la supraconscience ou la connexion au divin, bien entendu. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une explication très logique et très claire. Et je crois que depuis, je n'ai cessé de chercher justement cette verticalité pour aller directement avec la connexion au divin. Voilà. La spiritualité, c'est très important. C'est le positif, la fonction positive de Neptune. Sa fonction négative, eh bien, on la connaît, c'est le brouillard, la confusion, les erreurs, les états de déprime, etc. Voilà, Neptune est neutre au départ. Comme toutes les planètes, il est neutre. Elle est neutre, cette planète, mais c'est à nous d'entrer en résonance avec ces différentes fonctions et, si possible, les fonctions les plus éclairées, les plus lumineuses. Donc, sur le plan physique, à quoi correspond-elle? Eh bien, elle correspond à la prolifération microbienne ou cellulaire, comme les kystes, les fibromes, les polypes. Voilà. Donc, c'est les liquides dans le corps, mais les liquides qui sont chargés négativement, généralement. Voilà, ça correspond à cela. Sur le plan affectif, ça correspond aux amours idéalisés, sublimés, voire impossibles. Alors là, les amours impossibles, on en connaît beaucoup avec Neptune. Alors ça démarre très bien, ça démarre, on est amoureux, tout fonctionne impeccablement, les défauts de l'autre, ce sont des qualités, on la voit plus belle que ce qu'elle est, plus beau que ce qu'il est. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, heureusement qu'il y a Saturne qui est là, Cronos, et qui va nous ouvrir un petit peu les yeux. Et souvent, donc, on se dit, oh là, je n'avais pas vu tout cela. Voilà, donc, sur le plan affectif, ce sont les amours idéalisés. On a tous besoin de l'idéal, d'idéaliser quelqu'un, bien entendu. Mais c'est mieux, finalement, que ça soit sublimé par un art, par exemple comme la musique, ou comme la peinture, comme le cinéma, etc. Parce que les arts permettent justement cette sublimation, alors que, excusez-moi, le nez qui me gratte, les amours idéalisées, lorsqu'elles deviennent impossibles, ben voilà, c'est vraiment, on se dit, on a perdu du temps. En fait, on ne perd pas du temps parce que
on apprend le discernement. Voilà. Sur le plan mental, Neptune correspond aux illusions, aux projections. C'est-à-dire que souvent, avec Neptune, on a tendance à ne pas voir la réalité telle qu'elle est, effectivement. Donc on est prédisposé aux illusions. On fait des projections sur les personnes que l'on souhaite connaître plus intimement. On projette, bien entendu, tous ces buts, tous ces objectifs, tous ces fantasmes aussi sur la personne, et c'est comme cela que on se fait avoir. Confusion, bien sûr, brouillard. On ne sait plus très bien où on en est. On perd ses clés, on oublie de fermer la porte en partant, on laisse traîner du courrier important. Voilà, ça c'est Neptune quand il est mal utilisé ou quand il est en transit sur nos planètes natales aussi, hein. Et puis les dépressions, oui, c'est vrai que lorsqu'on arrive à être déçu parce qu'on a justement on a été sur le petit nuage, eh bien, qu'on est déçu, c'est la dépression. Pardon. Sur le plan spirituel, il correspond aux idéaux élevés, les idéaux élevés. On va bien faire la distinction entre les idéaux que l'on projette dans la vie par rapport à des buts sociaux, par exemple, et à nos ambitions, avec les idéaux élevés. Les idéaux élevés sont plus en rapport avec le plan divin, bien entendu. La recherche de l'unité en soi, voilà, on a bien conscience, à l'instar de ce signe des poissons dont Neptune a la maîtrise, où on se sent vraiment une goutte d'eau dans l'océan, eh bien, voilà, on sait, on connaît notre appartenance à l'océan et on aimerait donc fusionner avec cette unité, avec la source, idéalement, bien entendu, aussi toutes les images qui nous viennent de Dieu, quelles que soient nos sources que l'on a, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances, nous savons bien qu'il y a à la base quelque chose qu'ils appellent le grand tout, hein, le Tao par exemple, et qui nous relie tous, tout ce temps qu'on est. Et c'est en rapport sur le plan spirituel généralement avec la foi véritable. Sur le plan karmique, selon les aspects, eh bien, ce sont des dettes en rapport avec les mensonges que l'on a pu faire dans les vies antérieures, les manipulations, les drogues. Vous voyez? Alors là, quand il y a un Neptune très affligé, eh bien, souvent, on constate qu'il y a un passé karmique qui est un petit peu neptunien. C'est le moins qu'on puisse dire. Les drogues, l'alcool, j'ai oublié aussi. Neptune fait partie, bien entendu, de tous ces excès qui nous font rechercher une sorte de transcendance, en fait. On a tous besoin de transcendance parce que ce monde de la matière est souvent décevant, lourd, bruyant, etc. Donc, elle a besoin de transcendance. Mais cette transcendance, eh bien, on ne peut pas la trouver avec tous ces substituts, puisque ça fait partie du monde de la matière et ça ne correspond pas du tout au monde divin auquel on aspire. Alors le plus souvent, eh bien, lors des transits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chercher donc une compensation dans ces attributs. Mais en fait, ce qu'il faudrait, enfin, le mieux, c'est de sublimer, je vous l'ai dit, par les arts, la musique, la peinture, la danse, et puis la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi, voilà, toutes ces pratiques qui nous font relier avec le divin. Et en rétribution karmique, parce que forcément, le côté négatif, on l'a vu sur le plan karmique, mais le côté positif, justement, quand on a un Neptune positif dans notre thème, quand il est bien aspecté, ça signifie que on a développé donc des rétributions karmiques, on a accumulé des rétributions karmiques que l'on appelle le dharma, hein, et toutes ces bonnes actions, toutes ces bonnes pensées qu'on a eues, tous ces bons comportements positifs, lumineux, nous reviennent dans cette vie, et on a plus de foi, plus de charité, plus de compassion, et on a une guidance intérieure qui nous permet de nous relier au monde divin.
Voilà donc pour Neptune. Je vous ai mis la photo de Neptune prise par James Webb, le radiotélescope James Webb. Elle est magnifique, cette photo, puisqu'elle nous fait vraiment entrevoir ce côté lumineux de Neptune. Charles Vouga disait que c'était un phare dans la nuit. Eh bien oui, c'est exactement ça. Neptune, c'est le phare dans la nuit. Donc regardez où est votre Neptune, où est votre phare dans la nuit, et vous verrez que vous ne serez jamais seul. Voilà maintenant pour Neptune en signe, on va donc maintenant aborder sa position.